C'est pas comme si on relançait le live pour la deuxième fois. Ah, Twitch. Qu'est-ce qu'on fera les jours où tu buggeras pas? Sans déconner. Donc, vu que ça a planté ça discutait, en gros, je sais pas si vous l'avez vu, enfin, je sais pas où ça a planté pour vous, mais en gros, il y a de la pollution de l'air et il faut qu'on identifie tout ça. Quelque chose d'anormal là-dedans. Je dois l'analyser. Tac. Moins. Tac. Et moins. Tac. Tac. Moins. Tac. Du mercure mélangé à autre chose, mais j'arrive pas à savoir quoi. De toute évidence, ce n'est pas limité à un bâtiment. Beaucoup de gens sont en danger. Donc le truc, ça émet quand même du mercure, hein, juste voilà, hein. On en est là. Voyons ce que je peux trouver dans cet échantillon. Alors... Non, ça va pas être ça. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Est-ce qu'on pourrait faire un truc du style? Ouais, mais du coup, j'ai pas le truc de droite. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un truc du style? Voilà. Et enfin, un truc du style. Et voilà. De l'acide nitrique. D'accord. L'acide nitrique. Doit bien sans mieux. Aussi un autre ingrédient. Rien que le mercure aurait suffi en termes de toxicité. Oui, clairement, ouais. Je suis sur la bonne voie. Il faut juste suivre la piste. C'est plus étendu que je le pensais. C'est tout le quartier qui est menacé. Donc du mercure, de l'acide nitrique. Ouh. Ça sent pas la rose. Voyons ce qu'il y a dedans. Et ben ça commence fort. Est-ce qu'on peut faire un truc dans ce style-là? Avec... Un truc dans ce... C'est pas celui-là. Non, c'est celui-là que je voulais. Avec un truc dans ce... comme ça. Ah oui, non, du coup, ça en fait un trop gros. Ouais... Bah voilà. Du mercure, de l'acide de nitrique. Pourquoi pas un peu de cyanure? L'éthanol. Pourquoi ça me semble aussi familier? De l'éthanol aussi. Bah oui, bah allons-y. De l'éthanol. Oh, ça me dit quelque chose. Attends. Du mercure, de l'azote et l'éthanol. Il faut que je retrouve la piste. Quand ce sera fini, j'alerterai le service de santé publique pour qu'il prévienne les résidents. Oh shit! Je crois que j'ai trouvé le problème. Des produits corrosifs s'écoulent de ces bidons et polluent les canalisations. Il faut que je nettoie le site rapidement. Le béton contient du calcium et du silicone.
idéal pour tout absorber. Bon, il va falloir que je fasse des dégâts pour réparer ces dégâts. Un de moi. Il faut pas que je respire. Nickel, ça marche. Encore un ou deux bidons. Blam blam. Je vois plus rien. Je suis où? Ah, je suis tombé. D'accord, très bien. Je dois rester au-dessus de ce truc. Je vais crever. Ça y est. Sceller la grille avec ma toile, ça devrait éviter toute fuite supplémentaire. Non mais... Ça aurait pu être bien pire. La station de recherche d'Harry vient me prouver qu'elle devait rester ouverte. Bon bah ça c'est fait. Et du coup pour l'instant j'ai pas d'autres missions principales. J'ai pas l'impression en tout cas. Non j'en ai pas. Bah écoutez, on va continuer à se balader. Hein. On va continuer à se balader tranquillement. Ah bon bah... J'ai jeté un œil à ce qu'on avait sur des démons. J'étais sûr que vous changeriez d'avis. Ils n'ont pas chômé. Ils ont attaqué plusieurs propriétés de Fisk. Ils s'en prennent à Fisk? Ah! Vous savez ce que ça veut dire? Une guerre des gangs à prévoir? On va essayer de l'éviter. Est-ce qu'il y a des biens de Fisk qui n'ont pas encore été attaqués? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ses chantiers navals sur le port. Merci Yori. Je vais jeter un œil. Ouais, mais d'abord je vais ici. Donc. Vu d'ensemble. Non, non, pas des pigeons, s'il vous plaît. Je passe à mon ninja, je vous souhaite par avance une bonne nuit, vous dis à demain si jamais. Okay, si j'ai internet. Bah, pas de soucis, LED, merci à toi de passer à l'avance. Et bonne nuit à l'avance. Ouais, j'ai fait un master de gestion pour analyser du caca d'oiseau. Bon, plus sérieusement, tu sais sûrement qu'ils sont porteurs de maladies et nous devons nous assurer qu'ils ne posent aucun risque. J'avoue que j'aimerais être là pour profiter de ton humour scatologique. Oh non. Les pigeons sont porteurs d'une souche virulente de grippe aviaire. Et elle a déjà muté pour atteindre une forme qui peut infecter les humains. Ok. Il y a tout ce qu'il faut dans le labo d'Harry pour développer un vaccin. Je dois agir vite, ou les pigeons risquent d'infecter la ville entière. L'idéal serait de le diffuser à 3 points de migration importants. Et je sais déjà où il se trouve grâce à cette station. Ok. Le premier point de migration se trouve dans un parc. Les oiseaux devraient pouvoir propager le vaccin entre eux. Il y en a un à 700 mètres. Les pigeons ont accepté que je m'incruste dans leur milieu naturel. Je leur dois bien ça. Je suis sûr que les Avengers n'ont jamais une mission avec des fientes. Et voilà. Le vaccin se diffuse dans l'air. Il suffit de le vaporiser dans les arbres. Ok, un de fait, il en reste deux. Les pulvérisations sont inoffensives pour les humains et les animaux. Mais elles soigneront les pigeons. Ou les transformeront en zombies. Et encore un. Une attaque de pigeons zombies. J'imagine bien, Spider-Man empoisonne l'atmosphère, moi juste comme ça. J'adore aider les animaux. Ils ne traitent pas de danger public et ils me tirent pas dessus. Est-ce que ça serait vraiment exagéré si j'ajoutais vétérinaire à mon CV?
Ah, j'ai raté un morceau. Eh bah ouais. Ça pourrait faire effet rapidement. Je vais contrôler quelques pigeons pour en être sûr. Ah non. Pas attaquer des pigeons. Enfin, on ne va pas devoir courir après les pigeons. Ça a marché. Pas un seul pigeon zombie. Ça a l'air d'aller. Juste comme ça, curiosité. Nikola Tesla nourrissait les pigeons ici. Comme la mère d'Harry. Je lui en aurais bien parlé, mais... il répond ni aux appels, ni aux SMS. Oh, j'aurais cru. Ouais. Quelle propriété de fisc les démons pourraient viser en premier? Je regarde. Une patrouille a signalé une activité dans un de ses chantiers navals sur le port. Merci Yori, je vais jeter un œil. Je devrais peut-être me méfier un peu plus de mes grands fans. Non mais... Hey Yori, ce chantier naval, vous savez à quoi il sert? Aucune idée. Je vais envoyer un agent sur place pour vous aider. Il s'appelle Jefferson Davis. C'est un bon flic. Il bosse sur le dossier fisc depuis des années. Si quelqu'un sait ce qui se passe là-bas, c'est bien lui. Ok. D34, on nous a signalé plusieurs coups de feu. Des agents sont déjà sur place. À tous les agents près de Hellstax, répondez. J'arrive! Oula, ça corde un message. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle. Pourvu que ce soit une bonne piste. Lancer des objets, des attaques aériennes. Eh ben, on va prendre des objets et faire des attaques aériennes. Y'a aucun problème. Des objets? S'il vous plaît? Je peux avoir des objets? Si je les tue en deux coups, ça va être chiant. Ça va être compliqué de faire du combo aérien. Très compliqué. Fisk était fou, mais lui au moins, il aimait New York. Les démons, eux... on dirait qu'ils veulent simplement détruire la ville. Ah, mais du coup, c'est une nouvelle mission, ça, attendez. Oui, voilà. Si. Et ici. Donc, on avait les crimes malfrats, maintenant, on a les crimes démons. Ok. Quoi, c'est toi que tu veux un truc? Énorme, ma femme voudra jamais me croire. Pourquoi pas? Eh, ça donne 5 points d'XP, hein! On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, surtout. Et s'ils mettent un pied dans la chambre forte?
Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi, les démons s'en prennent à toutes nos planques. On en a déjà perdu deux cette nuit. Le boss est peut-être en tôle, mais personne touche à ses affaires. Tout va bien ? Aigle 2 au rapport, RAS. Quel genre de planque cherchent les démons ? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celle des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Bah évidemment qu'on va commencer par eux. Beaucoup de détritus par ici. Un peu de poils lancés au bon endroit pourrait faire une jolie diversion. Ce sniper est protégé par un garde. Je ferais mieux de les séparer pour m'en débarrasser. Soyez prêts à tirer. Ah, elles sont pas fuites de fuite, hein, les gars. Mais genre... Non, non, reviens. Je... Oui, c'est un rat, ouais. Un rat qui fait du kung-fu qui l'a arrêté. Tu l'as pas vu venir celle-là. Oups. Bon, au moins déjà les snipers, c'est géré. Appel à Alpha 12. Allez voir Alpha 12. Il a peut-être un problème de communication. Oui, il est sur place. Mais bon. Des beaux rêves. Attaque ninja! Je laisserai rien passer. C'était quoi? Je sors de très vite. Le jeu est quand même très sympa sur les infiltrations, hein. C'était quoi ? Ne ronfle pas. Non, non, non. Ah. Le jeu est quand même très sympa. C'est qui ? Allez, passe ton tour. Oh, le héros ! Il se cache comme un... C'est Spider-Man qui a fait ça. Et il va le payer. Surprise. Bah ouais. Bah vas-y, fais plus de bruit encore. Vous
Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale? Ça me paraît tout à fait honnête. Pas maintenant? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Je l'aime bien, lui. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. Dans les endroits comme ça, il y a toujours un trou dans un mur ou dans une fenêtre cassée. Jetez un œil derrière. J'irai bien moi-même, mais bon, je suis pas Spider-Man. Genre, y'a pas une porte cachée? Oh. D'abord, bague! Ben voilà. Pourquoi s'embêter? Je veux dire, pourquoi chercher des trous, des murs et tout ça? On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon. Où est cette porte verrouillée? Non mais... Ah! Jeff, vous êtes là? Je fais de mon mieux pour éviter les blagues à base de toc-toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe. Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir. Bien vu. Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça. Un pistolet à impulsion électrique? Génial. Ces condensateurs vont me permettre d'améliorer ma tenue. Non. Le pistolet paralysant vous permet désormais de fabriquer la toile électrique. Et bon, voilà. La créer, du coup. Toile électrique débloquée. Je vais aussi débloquer les autres. Je vais les créer, même si je vais pas m'en servir forcément de suite. Et si je peux pas. Ok. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux? Oh bah. Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. C'est Marco Salbe, faut me dire que ça va s'ouvrir. Oups. Ça a marché? Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Ah, ça passe pas à travers. C'est t'as pour moi. Par contre, ils sont gentils, ils m'ont mis les munitions infinies. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Je n'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Qu'est-ce que... J'ai trouvé une marque. Les portes normales, j'imagine que ça compte pas. Effectivement. <rire>
où il pourrait encore y avoir des marques. Bon, ça doit être à l'étage. Là-bas. Ouais, il n'y a que là-bas. Regardez partout si vous voyez des marques. Jackpot ! Des marques, pas de porte. Du moins, j'en vois pas. Super, j'arrive. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. Oh. Premier étage, engrenage rouillé et gros rat dégueu. Attention, le pont est détruit. Ça va aller. Si ce vôtre. Bravo, belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Ouais, je vois ça. Encore une porte secrète. Attends, je suis pas vautré, moi, c'est pas vrai. Quand vous trouvez la boîte de raccordement. C'est en cours. Vous n'avez aucune preuve que je me sois vautré. J'en ai une. Dans le mille. Ni plus ni moins. Bon, l'ouvre cette porte. À moins qu'il faille que je réactive celui-là aussi là. Hey, de ce que j'entends. Vous voyez ça? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant. Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de fisc parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Ouais. De plein. Trouvé. Là. Et relaxerai. J'ai manqué beaucoup depuis Norman. De la quête annexe. Une porte cachée. En gros. Et le début de cette mission, j'imagine. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. Je s'arrive. 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte! Vite! Allez, dépêchez! Ouais, bah, cours plus vite, Michel! C'est pas vrai! Les démons sont déjà passés! Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Ça, c'est de l'armurerie. Ou ça l'était? Oui, ça l'était, ouais. Il y a des caisses vides ici. Et ils ont apparemment emporté les autres. Le matériel non létal les intéressait pas. Ils ont laissé les fumigènes, les grenades aveuglantes, les recharges électriques. Ah bah à mon avis, ils sont pas là pour taser, hein. Apparemment, ils ont pas perdu de temps. Ils n'ont pas touché à cette salle derrière le grillage. Ça demandait trop d'efforts. Ils ont préféré tordre le grillage de l'armoire des armes. Là, ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Oups! Restez là.
Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! On s'arrête! À couvert! Bon bah... Bien joué! Blablabla! Je tire! Écartez-vous! Recharge! Je tire sur quoi? Juste pour être sûr. Ah bonjour la prime! Hey, c'est pas moi qui ai des balles! Je vais le paralyser! Mais. Je suis presque impressionné. Et vous avez pas trouvé. Attention, je le neutralise. Attention. Ah bah tire pas dessus Michel. Je vous couvre. Merci, c'est pas de refus. Bon et du coup voyons voir. Vous êtes l'homme qui tombe à pic. Ouais, il a un bouclier, lui. Moi non plus, je suis pas tout seul. Où on en est? Je crois qu'on domine. Je tire. Écartez-vous. Danger. Il est KO. Je vais le paralyser. Je recharge. Reste dans la fumée, Michel. Oh. Ça va? Partez, je vous rattrape. Bon bah, course poursuite. Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. En vrai, il est tellement pas passé loin celui-là. Spider-Man, je suis retenu au chantier par des démons. Comment ça se passe pour vous? Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Soyez prudent, Jeff. Ne prenez pas de risques. Bah, fallait bien que j'en bouffe une, hein. Ça fait trop longtemps que je les esquive de très très près. Bon, deux c'est chiant par contre. Si ça continue, ils vont tuer des piétons. Il faut que je me rapproche. Salut, il reste une petite place. Salut les chiens. Oh. Oups. Ah merde. Génial, la ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. Oh ce bordel. Oh ce bordel. Oh c'est excellent. Ah mon dieu. Nous
savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici ? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchère, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances ? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi ? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée. Ce final de quête était tellement épique, n'empêche. Je suis crevé. Tu m'étonnes. Il est temps de rentrer et de dormir un peu. Les destinations de voyage rapide apparaissent désormais sur la carte. Oh ! Maintenez croix au-dessus de l'appartement de Peter pour effectuer un voyage rapide. Je suis obligé ? Oh, vas-y, je suis obligé. Sérieusement. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié ça. Empire Sanitation ID, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Six, quatre, quatre, sept, six. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît. C'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand. Ok. Problème. C'est vrai que j'avais oublié ça, mais ouais. Tant pis si je perds tout le reste. Il faut au moins que je retrouve mon speeder disc. Ça doit pas être si difficile de trouver un tout petit disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. C'est pas possible. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Donc ouais, quand... c'était au dernier live, il me semble. Que son proprio l'a dit si tu payes pas d'ici aujourd'hui t'es à la porte. Et bien sûr c'est fermé au cas où quelqu'un voudrait voler des déchets. Il y a peut-être un autre accès. Je dirais au hasard par le toit. Ouh. Ah, yes. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Nada. Oh. Ok, là je panique. Empire Sanitation AD, j'écoute.
Désolé. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. J'y vais direct. Hey, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle? Un petit truc indépendant, je crois. Jerry? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah, ouais. Non, ça commence par un L, je crois. Laris? Laris est dans les sides. Léo? Léo? Ah, ouais, ça se pourrait. Ah, j'adore Léo. Je vous rapporte une pizza. Je vous dois bien ça. Pas de problème. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Ok, les camions doivent pas être loin. Genre, j'étais un petit peu dessus, en fait. Non, non, petit nounours. C'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Bah du coup, là-bas. Oh, c'est Spider-Man. Le Spider-Man. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Je t'adore, mec. Non, d'accord. Aucun signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. Eddie, vous êtes mon seul espoir. Pas là non plus. Hmm. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici? Bah les gars, on peut-être changer d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collègue était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur? Oh merde! Du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Bah Michel, t'auras peut-être pas ta pizza. J'annonce. Let's go! Voilà l'incinérateur! J'espère que j'arrive à temps! Oh oh, ça sent les ennuis! The fuck? C'est bon, vous êtes calmé? Merci. Vous allez bien? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu? Pour des trucs perso? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Bon. Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. C'est vrai que ça serait quand même... Ce serait chiant de devoir se baisser pour ramasser un sac, quand même, hein. Je dis ça, bon. Allez, sois ici, sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, hey, y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Oh. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Vous pouvez maintenant fabriquer des bombes de toile. Explosifs de proximité qui entoilent instantanément les ennemis qui le déclenchent. Oh, des mines! Ça, par contre, ça a l'air sympa. Ça y est! Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Oh! Ah ouais! Vas-y, ramenez-vous un peu les gars qu'on voit là. Mira, c'est comme celui-là gadget, hein, j'ai envie de dire. T'as pas de mur? Bah tant pis, c'est pas grave. Ok, c'est trop bien. Bon, cette nuit se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ.
Bon bah... Ouais bah MJ elle était pas avec le flic ? Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé ? Bonne chance. Voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. Bonne chance mon gars, MJ parce que... Hey, je passais dans le quartier et... Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire ? On est amis, non ? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. C'est pas bizarre du tout. Non. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Qu'est-ce que j'ai dans la tête ? J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Level up! Quelqu'un m'a laissé un message. Mais le numéro est masqué. Coucou Spidey. Ça faisait longtemps. Je t'ai manqué? Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non. Je connais cette voix. Le attrape-moi si tu peux me fait penser à un personnage. Spoiler, c'est une femme. Ouais, j'ai débugué. Les démons qui braquent un véhicule blindé. Messieurs, on ne force pas les distributeurs de... Ça commence à être chaud, la guerre des gangs entre Fisk et les démons. Je sais. Même Shocker y participe. Il se retrouve à faire des petits boulots pour les démons. Ces types plaisantent pas. Tu crois vraiment qu'ils veulent seulement remplacer Fisk ? Rien que ça, ce serait déjà moche. Tellement que ça s'arrête là. Wow. J'ai failli me le bouffer, lui. Tiens, ton bouclier, là. Tu vas faire quoi, mon gars ? Non, mais... On dirait que les démons cherchent un sacré financement. Merci, Lenkopios. Je vois pas ce que tu veux dire. Mais ouais, je pense à un personnage. Qui, de vague mémoire, a une tenue noire, il me semble. Attends, c'est... Ah oui, en plus. Cool. J'avais oublié à quel point j'aimais la photo. Ok, c'est ce que je pense. Coucou Spidey. Je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non ? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. La chatte noire. Black Cat. Ne me dites pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel ? Elle veut que je trouve quelque chose. C'est brille ! Quoi ? Ah, zoé. Là ! Un petit chat ! C'est l'un de ces chats ? Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Felicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ouais, elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Terminer les planques de Black Cat en ville pour découvrir le mystère de Black Cat. Oh, il n'y en a pas beaucoup en plus. Il y a un, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en tout. Ça va. Pour débloquer une tenue personnalisée. Dites, Yuri, le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée ? Je crois, oui.
Pourquoi? Elle a rempilé? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous? Pas de problème. Elle nous rappelle dans 5 minutes. En fait, il se pourrait que... Salut, mais t'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Ah, oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi? Et tu as un endroit où dormir cette nuit? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Bon, on commence à débloquer pas mal de trucs annexes là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je vous vois! Et j'arrive! Oula, oula, oula! Ils ne se cassent plus! Ils attaquent la police en pleine rue maintenant! Ah bah non, ça. Ah oui, non, ça oui, oui. Des objets, attaque aérienne. Mettez vos blessés en lieu sûr! Je m'occupe du reste! Ouais, lance-roquette! Tiens! Allez, un dernier coup. Ensuite, on balance des objets. Oh, tiens, poubelle là. T'es pas sérieux, Michel. Mais t'es pas sérieux, Michel. Tiens. 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 C'est trop bien ce truc. Oh. Les démons sont HS. Je vous laisse vous occuper du reste. Bon bah du coup je pense qu'on va... On va aller dormir hein. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'a pas... Enfin j'ai pas eu l'impression de faire tant de missions annexes que ça. Mais j'ai... Enfin de missions principales que ça. Mais j'ai pas... Enfin j'ai l'impression d'avoir avancé mais... Enfin c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on a fait plein de trucs. Mais qu'on n'a pas avancé. Mais qu'on a vu tellement de trucs. Des nouvelles missions, on a vu... On a vu vraiment beaucoup de choses. Bienvenue. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Au Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. J'imagine le bureau, il est à l'étage. J'imagine. C'était pas moi, j'ai rien fait. Ouais, il est à l'étage, mais j'ai pris le chemin le plus long pour y aller. Je me suis jamais senti en sécurité. J'espère que le canapé est confortable. Ah si, je me disais bien.
On l'avait pas regardé la dernière fois. Tu me manques. Ok. Bon, pas la bonne nuit, hein. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail. J'espère que Monsieur Lee va bien. Allô ? Hé, t'as vu mon article ? Bien sûr. Robbie doit être sur un petit nuage. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi ? Osborne, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow ! Hé, mais le meeting de campagne d'Osborne, c'est pas cet après... Ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir ? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Ok. Eh ben, on va au moins sortir et puis on va s'arrêter. Ok. Ouais, du coup, je suis pas allé voir, tiens, on a level up, du coup, faut qu'on aille voir si on a eu des nouvelles tenues à débloquer. Enfin, nouvelles tenues débloquées à acheter. Oh, c'est trop humiliant d'accepter l'argent de ton père. Je devrais aller en ville et essayer d'aider mon prochain. Oh. Bon, il y a de la quête annexe qui a pop. Aider Howard, 1000 points d'XP, ouais. Bon, bah ça fait un petit paquet de trucs à faire. Ah, une autre quête annexe là-bas. Tiens, avant qu'on s'arrête. Bon, déjà, on va voir s'il y a des costumes. Non. Du coup, j'imagine que c'est le L19. Mais avant qu'on s'arrête... Il y a un truc que j'aimerais voir. Tiens, tant qu'à être là. Tant qu'à être là. Un nouveau message de Doc ? Peter, sans vouloir nous porter la poisse. Non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Le travail de Doc est trop important pour passer à la trappe. Donc, tant qu'on est là... Encore une caméra. Sûrement Black Cat. Le Alors. Jaloux que je rende visite à un autre homme. J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. Là ! Vu ! Je t'ai trouvé. Pourquoi tu fais ça, Félicia ? Tu sais que je vais finir par t'attraper. Salut, Jeff ! Félicitations pour la cérémonie ! J'ai hâte que tout soit terminé.
J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Pas de neuf ? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris, j'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborne. Oh, en fait, laissez tomber. Et du coup, maintenant qu'on a débloqué, j'ai débloqué les voyages rapides. Aller voir cette station de recherche Oscorp. Il paraît qu'il y a des trucs radioactifs. Spidey va mener l'enquête. Parce qu'en gros, jusqu'à maintenant, quand j'allais, quand je croisais ces trucs là et que j'allais dedans, ça me mettait le voyage rapide n'est pas encore disponible. Et du coup, maintenant, ça fait un flash noir et rien du tout. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ah, mais c'est juste à côté en plus. Le feu aux poudres. Oh. Oh, oh. Eh bien, on verra ça la prochaine fois. En le passage à travers le panneau. Enfin, entre les accroches du panneau. Quand même stylé. C'est quand même tellement stylé de se balader comme ça, putain. C'est tellement fluide, c'est tellement... Tout est tellement cool en vrai dans ce jeu. c'est la Selina Kyle de Spider-Man, cette madame. Ouais, c'est un peu ça. Black Cat, alias... Comment elle s'appelle? Felicia... Felicia, je sais plus comment. Mais du coup, voilà. Il y a un DLC qui porte sur elle, ça je le sais. Puisque, vu que mon père m'a passé le jeu pour que je le fasse, et j'ai vu qu'il y avait quand même le Season Pass comprenant les 3 DLC actuels pour 10 balles, je me suis dit, bon, allez, pour 10 balles, ça va. Donc je les ai pris, et il y en a un sur Black Cat, et j'ai pas vu les deux autres, je sais pas. Mais du coup, voilà. Bon. Eh bien, on a commencé à débloquer pas mal de choses, mine de rien. Jetons de défi. Poursuivre l'histoire pour débloquer le jeton de... Ouais, donc c'est des trucs qu'on n'a pas encore débloqué, d'accord. Compétences. J'ai 5 points. Allez, ok. Attendez. Tissage continu, je mens. Boost de combo, why not. Dernière chance, il faudra que je vois. Frappe au sol, ouais. Lancement rapide. Ouais, ça il faut que je le prenne. Saisie aérienne. Matériel en étant dans les airs pour attirer vos ennemis vers vous et utiliser les tactiques de combat aérien. Ça peut être pas mal. Récupération rapide. Pendant une roulade consécutive, un atterrissage pour repartir dans les airs. Ok, donc déjà on va prendre le lancement. Frappe-long augmente les dégâts et la portée de la frappe de toile. Voilà. Ah, ça dégage les mecs qui ont un bouclier. Enfin, le niveau suivant. Et récupération rapide, ouais. Hein. Pour l'instant, on va taper dans la mobilité. Donc, en gros, c'est quand je fais une roulade, je rappuie sur croix pour ressauter. Et l'autre, c'était quoi? Voilà, c'est... Non. Ouais, lancer aérien, oui. Saisie aérienne, c'est quand je suis en l'air, je peux les envoyer, les récupérer. J'arrive pas à voir en fait. Attendez, what?
Ah oui, en fait faut que je laisse appuyer. Au moment où j'atteins la zone de... Enfin, j'atteins le point que je touche. Faut prendre le coup de main, mais ouais, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Ok. Et du coup, voyons voir la... Attention, ah, des individus attaquent un véhicule blindé. Besoin de renfort dans le périmètre de Flatiron, terminé. Des démons qui dévalisent un blindé? Ils cherchent du financement sur le long terme. Ouais, y'en a un. Attends, je reviens. Non, il a posé. Mais y'en a un qui avait une poubelle dans les mains. Enfin, qui était en train de récupérer une poubelle. Raté. Je le bouffe. T'as déjà perdu. Ah mais en plus j'ai mes deux barres chargées. Ici. Le verrou est coincé. Et bah voilà. Ces gens auraient pu y passer. Je dois arrêter les démons avant qu'ils ne fassent des morts. Merci. Encore une demi-seconde et je me faisais cramer. Un cadeau du patron. Et du coup... C'est bizarre ce flash noir là. Des dingues, ces fichus démons. La ville va pas tenir longtemps. Ah oui. Ah oui! À niveau récupération, c'est pas mal du coup. Mes amis, je viens de recevoir des nouvelles d'Adrian Toombs, alias Vulture. Apparemment, ce criminel ailé a un cancer et a été déplacé à l'infirmerie du Raft pour être traité, ce qui coûte certainement une fortune financée par les fonds publics. Permettez-moi de vous demander ceci. Pourquoi une infirmerie au Raft? C'est une prison de très haute sécurité, bourrée de psychopathes. S'ils tombent malades, laissons la nature faire son œuvre. Et si vous trouvez ça choquant, attendez devant ma feuille d'impôt. Mmh. Ouais, niveau mobilité, là, on a gagné quand même pas mal, là, pour le coup. Avec la récupération sur la roulade et l'impulsion, j'avoue que c'est pas mal. Ouais, j'ai vu une annonce de ce DLC justement. Ouais, voilà, je crois que c'est le premier des trois, le Black Cat. Donc on verra bien. En attendant, nous, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que vous avez passé un bon live en ma compagnie. On se retrouve, en théorie, dès demain. D'ailleurs, je pense que demain, on va essayer de faire un petit peu de FF14. Parce que ce serait quand même sympa de d'y jouer avant. Enfin, de faire l'event du premier de l'an. Enfin, du début d'année, avant qu'il se termine, hein, ce serait quand même pas mal. Et on a plein d'autres choses à faire. On a plein d'autres choses à faire. Donc, je pense que demain, si live il y a, puisque oui, de toute façon, vous l'avez remarqué, que en ce début d'année, les lives, ça se compte sur les doigts d'une main, hein, parce que manque de temps et autre chose. Et surtout, toutes les autres choses à côté. Oui, bah oui. mais pour le coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de résister à avancer les quêtes annexes et compagnie en solo. C'est un peu compliqué, mais bon, voilà. En vrai, ouais, c'est vrai que ces derniers jours, on a fait beaucoup de Spider-Man. Enfin, beaucoup. Voilà, on a fait sur les deux lives, même les trois derniers lives, on a fait trois fois du Spider-Man. Mais en même temps, le jeu est tellement cool, et moi, pour le coup,
Je suis en kiff vraiment sur le jeu, donc j'y joue tout simplement. Hein. Concernant Hyrule Warrior, on part sur une pause ou un arrêt? Pour l'instant, c'est une pause et on verra. Voilà. On verra. Donc, eh bien, moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée, une bonne nuit. On se retrouve en théorie demain pour du Final Fantasy XIV. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.